and gentlemen, welcome to the Freak Show! Bonjour à toutes et à tous, ladies and gentlemen, c'est Nightwitch HD, comment allez-vous? Alors moi aujourd'hui ça va plutôt bien, c'est retour des vacances, c'est bientôt la rentrée, tout ça, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas moi, elles étaient bien, elles étaient plutôt longues, hein. Faut dire que je suis parti un mois, donc faut dire que j'ai perdu l'habitude. Après quand je suis rentré, ça m'a fait bizarre de reprendre ma manette, hein, mais bon, vous allez me dire, ouais, vas-y, on s'en fout de ta vie, nous, on veut que tu commentes le gameplay. Alors bon, c'est ce que je vais faire, hein, donc je vais commenter le gameplay. Alors, on est aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops en recherche et destruction sur la map Firing Range, avec l'AK-47 silencieux, comme atout, j'utilise tour de passe-passe, rapport pro, enfin, je crois que c'est toujours les atouts en pro, rapport pro, ainsi que fantôme pro, que vous avez pu voir, car j'ai des petites fleurs sur les mains. Et donc aussi j'utilise le Gaz Nova et le Semtex. Alors le Gaz Nova que j'affectionne tout particulièrement, car je trouve qu'il ralentit les gens, ça fait comme une grenade paralysante en fait, mais ça leur fait perdre de la vie. Donc bon, moi j'aime bien, hein. Après j'utilise pas tout le temps, mais quelquefois ça permet de... Voilà. Alors le gameplay va être très court. Donc vous avez pu voir au début l'intro de Code QG ainsi que le petit logo en haut. Tout mignon, tout beau. Car ça veut dire que j'ai envoyé mon gameplay à Code QG, vous suivez pas, hein. Code QG tout simplement, pourquoi? Car j'ai mis leur intro. Et oui, donc si je mets l'intro de Code QG, c'est pour l'envoyer à Code QG, hein, tout simplement. J'ai pas l'envoyé à quelqu'un d'autre si j'ai l'intro de Code QG. J'espère en tout cas vraiment que le gameplay ainsi que le commentary vous plaira. J'espère ainsi vraiment fortement qu'ils me prendront, hein. Je serais vraiment, vraiment très heureux, ce serait vraiment très gentil de leur part. Ils font un énorme boulot, je sais, et j'adore ce qu'ils font. Et j'espère vraiment sincèrement qu'ils me prendront. Alors, je voulais parler d'un sujet avec vous, un sujet qui fait plutôt parler de lui, enfin en ce moment... plus trop, mais avant qu'il faisait parler de lui, c'est tout simplement, que pensez-vous de l'avenir des jeux vidéo? Alors je m'explique, l'avenir des jeux vidéo, c'est, moi quand je vous dis ça, c'est plutôt les jeux vidéo, l'avenir. Bon, je sais que, je pense que l'avenir va être vraiment très très bon, parce que vous voyez bien que les jeux vidéo ça devient vraiment de plus en plus important, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur, ça devient vraiment sérieux, il y a carrément des tournois, comme vous pouvez voir l'E3, tout ça, le truc qui se passe à Cologne, enfin le 3 c'est pas Cologne, mais enfin les trucs qui se passent à Cologne, tout ça, ils sont vraiment énormes, ça devient vraiment très 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 important. Il y a vraiment de plus en plus de gens qui se mettent aux jeux vidéo, vraiment plus de gamers, vraiment plus de fans. Ça, je me fais pas de soucis pour les jeux vidéo, je pense vraiment que avec la nouvelle technologie, je pense qu'un jour on jouera vraiment sans manette, hein. Je pense qu'on conquérera tout ça par la pensée, comme dans les Sims, vous savez, pour ceux qui ont déjà joué aux Sims, quand vous achetez un casque, acheter un casque à votre Sims, il commence à vivre son histoire dans son casque et tout ça, il voit tout, il fait les choix, tout ça, pas besoin de manette, hein. Vous voyez, moi je pense qu'un jour on jouera comme ça. Alors je m'explique, quand je dis l'avenir du jeu vidéo, c'est le jeu vidéo d'occasion. Car vous savez bien que, enfin pour ceux qui savent pas, je l'explique, que comme quoi les jeux d'occasion ils veulent l'enlever. Ils veulent enlever les jeux d'occasion car les développeurs ça leur rapporte pas d'argent. Parce que quand en fait... on achète un jeu neuf, ils ont l'argent, mais après quand on te le revend, donc d'occasion, et que quelqu'un l'achète, l'argent revient au revendeur. Par exemple, si vous achetez votre jeu, je vais pas dire de marque, mais un vendeur de jeux vidéo, c'est lui qui va avoir l'argent et non le développeur. Le développeur va déjà avoir l'argent que d'un jeu et pas d'un deuxième acheté d'occasion. Si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez suivi... Donc voilà, et vu qu'ils disent qu'ils ne gagnent pas d'argent sur le jeu d'occasion et que soi-disant ils n'ont pas suffisamment d'argent, ils veulent enlever le jeu d'occasion. Ainsi, et donc, ils veulent enlever le jeu d'occasion. Alors moi déjà, une chose ça me dérange, parce que un jeu, quand on l'a acheté, il nous appartient. Vous voyez déjà qu'on est déjà à la dernière manche, hein, donc ça va vraiment être très très court. Alors moi quand ils veulent supprimer les jeux d'occasion, déjà une chose qui va pas, c'est que un jeu, quand on l'achète en neuf, il nous appartient.
Donc à partir du moment où il nous appartient, on peut en faire ce qu'on veut. On peut le revendre, on peut le casser si vous voulez, si vous venez de vous prendre une moame dans la tête, si vous craquez, vous pouvez le casser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais ils ne peuvent pas, je pense, interdire les jeux d'occasion. Car ce jeu nous appartient et si on a envie de le vendre, on aura toujours le droit. Alors ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent justement, pour enlever les jeux d'occasion, ils veulent... Là vous allez voir, je suis tout seul, je crois, ouais, tout seul contre 4 ou 5, je crois que j'ai... Ouais, tout seul contre 4 ou 5, lui il m'a fait peur, vous avez vu que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai failli mourir. Donc je reprends. Donc... je sais plus ce que je disais. Ah bah ils veulent donc pour enlever les jeux d'occasion, ils veulent enlever les boîtes, c'est-à-dire les jeux en boîte. Alors moi déjà ça me dérange, hein, je donne mon point de vue, hein, vous me direz le vôtre dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez aussi. Et moi ça me dérange déjà qu'ils enlèvent les jeux boîtes, car moi je suis un vrai collectionneur de jeux vidéo, un vrai passionné, je garde toutes les boîtes, j'aime bien avoir les boîtes quand j'achète les jeux, j'aime pas trop acheter les jeux en téléchargeable. Et en plus, s'ils enlèvent les boîtes, les jeux seront donc tous téléchargés comme sur Steam. Mais le problème, ce sera les hacks après. Car les hacks, vous savez, quand on se fait hacker notre compte, par exemple Steam, on perd tous nos jeux dessus. Et ça, c'est un peu, par exemple, si vous avez 10 jeux qui vous avez payé chacun 70€, que vous faites hacker votre compte, ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal à l'anus. Enfin, pardonnez-moi l'expression, mais franchement, je pense que s'ils enlèvent les jeux boîtes, je pense que ça arrivera à jour, hein, ça par contre. Hein. Les jeux d'occasion ne disparaîtront jamais, mais les jeux boîtes, je pense que oui. Et bah, faudra vraiment que la sécurité soit vraiment énorme. Hein. Donc moi, je pense que pour les prochaines consoles, genre PS4, tout ça, ils voulaient enlever les... Ils voulaient mettre un truc qui lise pas les jeux d'occasion, tout ça. Alors moi, ça, on verra. Hein. Moi, je pense qu'ils le mettront pas. Parce que les jeux d'occasion, c'est tout le monde en achète, ils peuvent pas les enlever comme ça du jour au lendemain. Alors vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, je serais vraiment curieux de savoir votre avis si vous, pour les jeux d'occasion, si vous voulez qu'ils rêvent, vous voulez qu'ils disparaissent, tout ça. Alors là, le gameplay va bientôt se terminer, voilà, ça s'est terminé sur donc un petit 4-0 et vous allez voir mon score de fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ainsi que le commentary, et je vous invite à laisser des j'aime, à aller voir ma chaîne si vous êtes curieux, si vous êtes des bicurieux, allez vous abonner à ma chaîne, laisser des j'aime, la partager aussi, mettre des commentaires donc sur mon sujet, je dis merci à CodeQG s'il upload, et je vous dis salut à tous, bisous bisous.